Et bon, je présente tous ici Morgan von Bredan, et on se retrouve sur Hexarchy, un petit jeu de stratégie qui vient de sortir. Si vous voulez le découvrir correctement, eh bien, allez voir la vidéo de présentation que Galden en a faite. Là, on va se retrouver avec Galden pour une petite partie en multi, et on aura une deuxième un peu plus tard. Il y a également son point de vue qui est disponible en VOD sur Twitch et peut-être sur les jeux du signe, ça sera mis aussi, je ne sais pas. Dans le doute, allez voir dans la description, je suis sûr qu'il y aura tous les liens nécessaires. Et là-dessus, je vous retrouve dans un instant avec Galden. N'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, à aller voir ce que ça donne. Hein. Franchement, c'est pas un jeu qui est très cher. Hein. 13 balles pour l'instant, pendant 11 jours encore, quoi, je crois, 11-12 jours. Et voilà, c'est... voilà, merci le signe qui nous rappelle ce qu'il faut qu'on fasse, pour aller trouver le lien partenaire. Voilà, donc je joue les Aztèques, ça c'est les cartes que j'ai en main au départ. Et donc la première chose à faire, bah, c'est de fonder une capitale. Alors il suggère un certain nombre de positions. Celle-ci, alors est naze, mais il la suggère quand même. Je vais plutôt aller là. Ce qui me permet d'avoir des ressources bien pratiques. En fait, celle-ci me la suggère parce qu'il y a ce truc-là, le sac de pierre, qui permet d'agrandir le territoire, mais vu que c'est coincé entre les montagnes, c'est vraiment pas terrible. Ouais, moi j'avais parc un peu naze aussi, je suis contre de montagne. Ouais. Ouais, là c'est pas mal. J'ai des crabes. Là j'ai bien de la bouffe. Je vais pouvoir aller me chercher. Donc il y a une vidéo avec les bases hein, du jeu que je vous invite à aller regarder si vous voulez comprendre tout. Là je vais pas tout expliquer. Parce que bon. Qu'est-ce que je vais choisir? Ah, il y a un temps limité. C'est vrai qu'il y a un temps limité. Je vais être à la bourre. Allez, pouf. Et voilà. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire. On est en multi, donc c'est en temps limité. C'est ça que je voulais. Alors, je vais me débarrasser. Putain, ça. Tac. Et on va élever ces bestiaux-là. Et on va se faire un petit colombon. Ah, t'as déjà un colon. Ouais, j'ai déjà un colon. Ah non, j'aurais dû faire ça. Oh là 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 là, il n'y a que des montagnes ici, au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Toujours, chaque tour, il faut essayer, je sais pas d'ailleurs si tu y penses, Morgan, hein, toujours. À chaque tour, essayer au moins de cramer une carte. Ouais. C'est quand même vraiment, vraiment fondamental. Tiens, un rouge, un anglais. T'es quoi, toi? Moi, je suis égyptien. T'es égyptien. Morgan, l'égyptien. Donc, alors, comme on est en multi, c'est assez différent de... en toute logique, du solo. Dans la mesure où, bah, là, les déplacements se font pas en instantané. Ouais, on agit tous en même temps et le jeu se démerde pour la résolution, parfois de manière un peu bizarre, et notamment pour les batailles, il n'y a pas vraiment moyen de savoir qui va attaquer en premier, donc en termes de tactique, c'est un peu un jet de pièces. Hop, bon, j'ai trop de ressources, mais c'est pas grave, il va les dépenser sur ma ville. Voilà, donc... mon colon s'est déplacé. Ah, je vois un chinois. Cette fois-ci, il y a au moins deux IA.
T'as changé les paramètres du coup? J'ai mis en grand. Le reste, j'ai laissé pareil, mais. Est-ce que je veux tout de suite un fantassin? Ah, il y a une route aussi. Une route nulle. Ça valait le coup. Grosse hésitation. Merde. Il veut que j'aille là-bas avec mon colon. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, là typiquement, bah, je connais correctement le jeu, mais c'est pas non plus ouf. Mais cramer une carte, c'est aussi dangereux, c'est permanent. Bah oui, c'est sûr. Donc là typiquement, bienvenue sur la chaîne patatueuse. Et merci pour ce follow. Vilmedi, je ne t'avais pas. Bienvenue sur la chaîne aussi, du coup. Oui, c'est dangereux de cramer les cartes, mais c'est un peu indispensable. Et là, typiquement, bah, je vais les cramer mon archer. J'ai pas envie de le faire, mais en fait, j'ai besoin de toutes ces ressources. Et puis, ça me permet d'avancer le reste. Hop. Mais bon, c'est vrai que cramer un archer, c'est un peu con. Ah, ça lag. Je vais pas pouvoir déplacer, mon gars. Tant pis. J'ai eu un gros lag. Ah, je rencontre des Chinois et des Russes. Ah oui, non, c'est russe, pas anglais. Pourquoi est-ce que je veux aussi que ce soit les anglais, ceux-là? Bah parce qu'ils sont rouges. Je pense que t'as carrément raison. Donc, lui, je le déplace. Lui... Je vais le déplacer là. Ça, je vais faire. Ça donne des ressources instantes. Ça, je vais m'en débarrasser. Non. C'est le camp de ma femme. D'accord, c'est sur PC Carriette. Ok. Carrément le home cinéma. Ceux qui me regardent, c'est trop, t'as une sale gueule, mais faites pas attention. Hop. Avec... Une charge déjà une. Donc, je vais la jeter. Hop, une petite bibliothèque ici. Je vais jeter ce galier et invoquer un clodon supplémentaire. On aime les follow en plus. Et je vais garder mes mathématiques pour le prochain tour. Hop. Non, je vais pas. Je vais rien faire avec mes ressources. Je vais prendre ça en plus. Hop. Allez, fin du tour. Est-ce que Vilmedi, tu connaissais le jeu avant? Oh, un jaune égyptien. C'est moi. D'accord, donc cette fois-ci, nous allons peut-être un peu moins nous taper directement sur la tronche. Mais Charles là, m'empêcher de faire ma ville. Comment? Ah oui. Et là, t'as effectivement peut-être pas trop intérêt à la faire ta ville. Il y a un mec qui me gêne. Ça. Faire charger. Pas sur toi, je te rassure. Oh, don de Nil, je prends. Ah, c'est déjà maximum. Voilà. Hop, une petite route pour allumer deux villes, ça c'est cool. Supprimer une population. Oh, c'est fort ça. Pour dépenser les sous, parce que j'ai plein de cartes. Omniscience. Tiens, omniscience. Paf. Le marché est juste carrément utile de temps en temps. Je pense qu'il m'intéresse ça. Hop.
allez, je vais générer. Hop, la population. Hop. Ah. Bon. Fin de tour. Avec un peu de bol, mon jaguar pourra faire des trucs sympas. Hey, coucou Damned. La carte est petite, ouais, ça fait... Bah, de toute façon, il faut... Non, c'est vraiment pas un 4X habituel, quoi. Alors, le fait de piocher des cartes, en fait, ça me, dé... ça me... Juste, ça me coûte des sous. Et voilà la charge. Allez, allez, allez. Ah, merde. Dommage. Les accents qui sont mal pris en compte sur les cartes, où est-ce que tu vois ça? Je sais pas, ça m'a jamais choqué. Ah oui, entrepôt. Ah oui, très juste. Très très juste. Et on va aller faire des maths. C'est quoi qui me donne... Tu sais quelle est la carte qui donne les arbalétriers, Morgan? Non. Pas du tout. Ouais, guerrier jaguar sur... la charge du guerrier jaguar sur Moscou, c'est... ça rigole pas. Ça, tu voudrais pas me prendre sous tri. Alors l'entrepôt, très utile. Ça, par contre, je vais le sacrifier, j'en ai plus trop besoin. C'est... On a tout, toujours vu des... est-ce qu'il est con? Putain, là, il me faudrait... Il me faudra un bonus qui... Les sous, j'en ai plein, de toute façon. Bah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Très bien, tout va bien. Ah. Le misclic, quand même. Un marché à cheval. Hop, bon, allez, on va aller. On va aller pas faire, on va pas faire dans le... Ah, il faut que je joue. Les... Hop. Mais écoute, pour moi, c'est bon. Pas pour moi. D'ailleurs... On va tenter ça. Sur un malentendu, ça peut passer. Je sais pas pourquoi certains ordres sont non valides. Hop. Ah, j'ai pas le temps. Tac. Voilà. Allez. J'ai pas le temps de tout gérer. J'arrive pas. C'est trop dur. Et même de la neige derrière Moscou. Ouais, t'as vu ça. Barrez-vous les Russes! Aïe, je vais avoir mal. Je sens que mon petit guerrier jaguar va souffrir. Enfin, ah, je peux fonder ma ville. Deuxième ville russe. La baleine dans le lac, oui. Ça... On en parle. On en a gros. c'est tout naze, ça. Ça m'intéresse totalement pas. J'achète de crocs. Ah, pas du crocs, délicieux. Pas beaucoup. Des fois, c'est vraiment bien d'avoir les ressources alternatives, hein, bordel. Là, je vais avoir un problème. Très très vite, je vais avoir un problème. Salut Nardinus, bienvenue sur le live. Toi aussi. De par là. Est-ce que j'ai vraiment... Toi, tu vas venir t'installer là, je suis sûr. De fourbe.
Je l'ai vu, ton colon qui partait. Ah, métallurgie. Épéiste. Ça, j'ai toujours trouvé ça pas terrible. Une petite bibliothèque. Et... Allez, un petit colon en plus. Quand même. Il faut que j'arrive à faire une autre ville. Qu'est-ce que j'ai pas déplacé? Toi, je sais que tu veux m'attaquer. Tu veux attaquer mon pauvre éclaireur. Ton éclaireur, il est chez moi. Enfin, barre-toi. Mais c'est ce que je fais. Tu es un bisounours. Bah, moi pas. J'étais un bisounours pendant la partie qu'on a fait en off et tu m'as cassé la gueule. Tu dis ça parce que t'es en colère. Oui. Là, je démarre nettement moins bien, je te rassure. Tiens. Violence te résout pas tout. Mais quand même. Non, ça résout plein de trucs. Genre. Oh putain, il a chargé le bâtard. Tu l'as l'Ardinus ce jeu? Bon bah là tu vois, typiquement je suis en train de perdre ma première ville. J'arrive pas là, vraiment j'arrive pas à choper des unités. Non non, la catapulte elle est pas trop dans le mal. Que j'ai une autre unité derrière, sauf que mon problème c'est que comme je perds ma ville quoi. Hop, une petite faveur divine. Un vignoble, je bouffe. Ah non, je vais rien faire dans ces. Ah zut, j'ai pas chargé. C'est tellement dommage. Ah, un port. Ou de l'éducation. Point, point. Point, point. L'éducation. Gros cerveau. Ça que je veux. J'ai donné un or, lui. C'était de la carte qu'il me fallait. Pour me défendre. Pour moi, c'est bon. Sur la population, j'ai du mal. Putain, faites-moi. Attends, oui. Ah, mais t'es dernier. Oh, c'est terrible. T'avais testé la démo. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu es dernier. C'est terrible. Tu fais tant casser la gueule que ça? Hop. Hop. Qu'est-ce que je veux? Ça, je vais le supprimer. J'en ai pas besoin. Ça aussi. Hop. Ah, zut, c'est bien. Bon, on va faire ça. Tac. Fin du tour. Avec plus de pièces, c'est plus intéressant. J'ai besoin de mobiliser, pas de charger. Peut-être. Oh, ah bah, de toute façon, voilà. Ils dégagent les Russes. Ouais, et moi, les Chinois, ils m'ont pris la ville. Alors, l'avantage, c'est que je devrais arriver à la reprendre au prochain tour. Attends, il a attaqué de lui-même? C'est toi qui as tiré sur Moscou? C'est cool, ça. Ouais. J'ai l'impression que... À chaque fois, il commence avec avant-garde. Ah oui! D'accord, oui, j'ai systématiquement une attaque après m'être déplacé. Ah. Ça, c'est fort. C'est très fort. Je sens que Mazamara est pas d'accord avec le fait que j'ai sacrifié le vignoble. Mais pourtant, je l'ai quand même fait. Allez, juste pour le principe. C'est pas la meilleure carte selon moi, mais
Je vais quand même le faire. Bon, je suis un peu dans la mouise quand même. Hein. Oui, non, c'est pas simple. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas simple à balétrier. C'est un choukounou. Le chinois. Non, en fait, je t'explique, c'est terrible. Les choukounous, ils ont double attaque. Qui va me casser la gueule. Boum. Je me suis installé juste devant toi. Machin. Non, c'est pas ça que je veux faire. Toi, tu attaques. Ah zut, je peux pas. Ma cacapulte peut, donc du coup, tu vas tirer. Hop. Et qu'est-ce qui s'est pas déplacé encore, toi? Bah, toi, tu vas rester là. Tu vas même pas finir. Parce que s'il attaque en premier, il va mettre 7, 7, 14. Et après, moi, je vais les rentrer dedans avec 5 et mourir. Qui est-ce qui a pas joué? Oui, je veux pas qu'il joue lui. J'ai pas prévu qu'il joue. Bon, qu'est-ce qu'il fait ton vilain éclaireur là? Il se balade. Il a droit, non? Ah, ça comme peut. Hein? C'est très très bien. Oh, c'est bon, j'ai attaqué le choukounou en premier. Il m'a piqué. Ces enfoirés m'ont piqué ma mine. J'hallucine. Moi, j'ai perdu une ville, je te signale. Je te ferai dire. Bah, écoute, j'en suis affligé. J'avoue. Atzapotzalco. Atzapotzalco. À tes souhaits. Est-ce que le défi est relevé ou pas? Tu me laisses prendre Moscou, s'il te plaît? Ouais, ouais, vas-y. C'est gentil. Bon, je viens de brancher la technologie, je vais peut-être avoir un chevalier dans un temps futur. À 30 de force. Je vais acheter du cheval. Faudra juste que je trouve. Ah, ça c'est bon. Mobiliser. Ah, mais c'est. Les unités créées ici sont mobilisées. Elles reçoivent un emplacement de promotion supplémentaire. Alors, je retourne immédiatement à la pioche. D'accord. C'est bizarre, c'est un aménagement de terrain. Pour moi, j'ai un chevalier. GG. GG. Je vais aussi faire un site, un bon principe. Hop. Qu'est-ce que je peux faire là? 3, 4, 5, 6. Force expéditionnaire. Ah, ça, c'est bien, ça. Oui, c'est bon. Le 13-6, en fait, il revend instantanément, automatiquement. En fait, ce que tu as, les trucs qui sont en trop, il te les dépense. Quand c'est de la bouffe, il te le rajoute à tes villes, ce qui accélère le... Ce qui accélère le développement. Et quand c'est des produits de luxe, il les dépense sur les villes également pour améliorer le moral. Et quand ensuite, là, j'étais à 7 sur 6, par exemple, ben, il a fini par
de dépenser tout le reste. Waouh. Oh merde. Merde. Mathieu. Là, je suis vraiment en galère de soldat là. Ah. C'est juste n'importe quoi. Il y a la vente de fin du truc. Hey ouais. Tu fais de piquer un pâturage. Ah ouais. Merci. Casser la tête. Mais non. Je suis un bisounours. Moi pas. Je te jure, je suis un bisounours. Allez, vas-y, fais pas le rat. Bon. Oh, la métallurgie, c'est tellement bien. Alors, attends, si c'est le chevalier. Ah ouais. Ah ouais, si, c'est carrément bien ça. En fait. Oh oui. Oh oui. Question la monnaie. Éclaireur, j'en ai plus vraiment besoin. Ah, une hutte de pêcheur, enfin. Des baleines. Allez, toi, une mine de fer. Et toi, reprenons notre ville. Ouais, le russe, bah c'est normal qu'il se laisse pas faire. Tu connais beaucoup de monde qui veut se battre pour un pays qui n'a pas de main. je te sens. Je sens chez toi une forme de grande tristesse. Ah là, je sens que je viens de perdre un truc. J'ai confondu. Qu'est-ce que j'ai confondu là? Je vais donner. Faut dire que la carte vignoble sert vraiment à rien. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Les vignobles, c'est sympa pour. Quand t'es en galère de luxe, t'es content d'avoir les vignobles. Ah, l'Égyptien a construit des pyramides. C'est original. Oui, et Chichen Itza aussi, qui est un autre genre de pyramide. Tu fais dans le pyramidal, quoi. Ouais. Chichen Itza qui est... pas en Amérique centrale, en fait. Ça devrait être toi. Bah oui, ça devrait être chez moi. Écoute, tu m'as piqué mon pâturage, je te pique tes pyramides. Bordel de... Ouf. J'entends cavalier qui se bat. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a pas avancé? Ah merde, c'est qu'il m'a capturé. Bâtard. Il s'est déplacé avant moi, quoi. Vengeance. Rends-moi ma cacapulte. Ah, j'ai repris mon pâturage. Putain, j'ai pas les cœurs. Ouais, celui-là, je te le laisse sans problème. Des casernes. Ah oui. La caserne. La caserne merveille. Chagolo. Promis, je suis hilarant. L'important, c'est d'en être persuadé. Oh, annexé par 5 d'or. Ça nous apparaît une case renom revendiquée adjacente à votre territoire. Ah. Donc, par exemple, je fais ça et je prends les perles. Pratique. Hop. Combien est-ce qu'il me reste? 2. Ah si, lui, ça pourrait être bien sur lui. Du coup, ça lui permettrait d'entrer directement à la maison. Et pas m'être emmerdé. Qu'est-ce qui s'est pas déplacé? 3.
Pardon, je préfère une caserne. Là. Et vos canapés directement dedans. Nice. Bien. Et un pâturage. Tellement de bouffe. Ouais, il faut. C'est vraiment un jeu dynamique. Hein. L'ancien chinois qui va piquer sur le cavalier. Bah, sauf si le cavalier arrive à se barrer avant. J'aimerais bien. Ouais, la catapulte, clairement, ça peut être capturé. Toutes les pièces d'artillerie peuvent être capturées. Mais ouais, j'aimerais bien que lui arrive à se barrer avant. Mais comme je sais pas trop, j'ai pas bien compris. J'ai eu l'impression en fait que il commençait par tout ce qui était attaque à distance. Dans l'ordre. Et ensuite, c'est peut-être les attaques et ensuite peut-être les déplacements. Bah, si c'est le cas, RIP. RIP, mon petit cavalier. Ça me serait plus logique de faire les attaques d'abord. Parce que sinon, tu peux juste fuir. Ouais. Bah voilà. Il a invoqué combien de trucs dans sa ville ? RIP, mon cavalier. Attends, son Shokuno vient d'attaquer trois fois là. Et pourquoi ? Ah si, j'ai récupéré ma catapulte. Moscou sera à moi ou ne sera pas. J'ai dit. Ouf ! Je vais récupérer Nanjing. Et c'est super fort le. La caserne là. Ouais. C'est ça. La caserne, c'est mortel. Le fait de pouvoir relancer à chaque tour la même unité, c'est énorme en fait. Hop, c'est aussi ça moi. Le fantassin, je commence à plus en trop en avoir besoin. Est-ce que je peux griller autre chose? Entrepôt, j'en ai déjà plein. Hop, ingénierie. Poudre à canon! Ah, c'est l'ingénierie pour l'arbre étrier. Une petite route. Tiens. Hop, hop, hop. Donnez-moi la pierre. Non. On va y arriver. Voilà. Tac. Hop. Faisons un petit décret divin. Et puis, bah, dépensons des sous parce que j'ai plein de cartes. Hop. Je vais me faire un deuxième ici. Permet à la société de cliquer automatiquement après ces trucs. Oh, la science, ça vaut si cher! Où je me fais des couilles en or. Bon, mon éclair, il fait rien, il sert à rien. Suicide-toi, c'est un truc. Bon. Je suis un bon dirigeant. Normalement, là, c'est un peu overkill. Mais, des fois que... Tac. Des fois que... Il me reste quoi? 3 points... Dictature militaire. Ce qu'il était dans une cité collective. Ouais, pas terrible. Je suis passé premier. Ah, tu veux dire au tour précédent. Je sens qu'il y en a qui se foutent de la gueule. M'en fout de ça. Franchement, c'est nul. Bon, bah tant pis. Allez, puf. On se fout. C'est la jauge en haut à droite. Mais, attends. Non, mais juste en haut aussi. Hein. Le premier, il est à droite. La jauge en haut. Oui, là. Bah non, c'est l'Égyptien qui semble être devant. Oui, c'est moi le premier. La jauge en haut à droite, je sais pas. La jauge en haut à gauche, c'est la jauge jusqu'à 100 points. Je rappelle qu'à 100 points, c'est la victoire. Putain de chinois! Et c'est Shukunu de mort!
Allez, charge. Yes. J'ai eu Moscou. Oh, mon cavalier va tellement se faire tuer. C'est pas juste. Mais... Non, le, en haut là, je sais pas trop ce que c'est en fait. En où? Les quatre factions en haut. Bah c'est l'ordre. Le premier c'est moi, après il y a toi, puis le chinois, puis les russes. Tu peux. Ah, tu veux dire c'est... Ah bah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, donc effectivement, mais alors ce qui est surprenant, c'est que c'est, il commence par la droite. Ouais. Qui est quand même plutôt original. Qu'est-ce qui vient de... Alors... Hop. Tac. Oh, mais j'ai perdu des questions. Mais... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai un Égyptien agressif qui vient me voir? Parce que t'es parano. Je suis parano, tu penses? Ouais. Plus 8 de puissance en dehors de votre territoire. Ah oui, effectivement, la force expéditionnaire, c'est pas tout sympathique. J'ai mis un pas de course sur une catapulte. C'est complètement logique. Hop. Tac. Tac. Y'a un port. Tellement de bouffe. Tellement de luxe. Ah, tellement de science, tellement de richesse. Oh là là. Hop, tout. Mettre sur toi. Toi. Que tu ailles là. Et qu'est-ce qui s'est pas déplacé d'autre? Tu vas te régénérer un peu. Tac. Rase Morgane. Mais le problème, c'est que Morgane, j'ai déjà rasé deux fois. Donc, ensuite, je voudrais pas qu'il m'en veuille personnellement, quoi. Oh, t'inquiète pas, je t'en veux personnellement, quoi qu'il arrive. Merde, ouais, ça va se jouer à pas grand chose hein, entre toi et moi. J'ai pas... T'es à combien de points de victoire là? 80. Ah, je suis passé devant. Ah. On prenait en Moscou. Ah, j'ai pris deux villes à ce tour-ci. Ah, mais je n'ai pas de. Je n'ai pas construit les jardins suspendus. Oh non, mais ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que moi je me suis déplacé, mais tu t'es déplacé avant moi. Et ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal du tout. Tu vas mourir dans atroce souffrance. Je suis désolé de te le dire, mais... Pas déconner, quand même. Partie se termine bientôt. Là, toutes les ressources. Oh. On sent que Morgane, il va mieux. Et écoute, là... Il va mieux que sur la partie précédente. Dommage.
j'aurais pu faire apparaître ça. Oh, l'ingénierie. Oh, la poudre à canon. Oh, un canon. Moi, je vais bien, et vous? Moi, ah, complètement taré? Non. T'as quelle distance, je m'en fous. Ah merde, du coup. Oh putain, quel con. Moi, quel con. Un autre canon. Ah, c'est gentil, mais j'en ai déjà un. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut. Allez, pop. Je vais les avoir. Hop. Ouh. Je fais la fête. Hop. Tac. Hop. Du paganisme. Ouh, la statue de Zeus. C'est tardif pour le paganisme. Oui, bah prout. D'accord. Ah, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Je reste sans voix. Berserker. Ah, tu me l'as rasé la ville. Ouais. Je savais que je pourrais pas la finir alors. Il a rasé ma vie. Tu peux choisir le nombre de points de victoire, c'est toujours à 100, je sais pas, je pense que ça va être toujours à 100. Ah, et du coup, effectivement, ouais. Pour le coup, ça me fait perdre beaucoup de points de victoire, ceci, c'était la bonne technique. Et la capture de nous. Oui, bah, je savais que j'aurais pas pu la garder. Mais je suis passé devant toi, quand même. Le problème, c'est... Est-ce que ça se bastonne, là? Non, l'attaque par le flanc, je meurs. Et c'est une victoire de canard. C'est fini. Famille, c'est la gouille. Non, cette ville va très bien. C'est la gouille, c'est la gouille. C'est la gouille, c'est la gouille. Victoire ! Ah ah ! C'est toi qui gagne ? C'est moi qui gagne. Oh à là 10 là. Points près, juste parce que je t'ai cramé une ville. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça m'a fait un succès, perdre une partie en multijoueur. Et ben moi, ce succès, bien j'avais déjà un. incroyable. Bon, et eh ben je m'incline. On va dire au revoir à la VOD et puis on va voir ce qu'on fait ensuite. Au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cette première partie multijoueur. Et puis je sais pas, on en lance une ou pas? Oh, si tu veux. Allez.